Mardi 14 janvier 2020, bienvenue aux informations de la mi-journée. Le ministre des Sports a tenu ce lundi une conférence de presse pour faire le point des préparatifs du marathon de la Porte du Retour. Une initiative de la Fondation Djimon Roussou, appuyée par le gouvernement de Patrice Talon. Et puis, Nicolas Yenoussi était hier sur la télévision nationale. Un moment d'explication et de pédagogie sur ce qu'il faut savoir sur la loi de finances exercice 2020. Le directeur général des impôts a passé au pays fin les mesures fiscales. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. On démarre cette édition par une brève. Le président de la République, encore sur le terrain, Patrice Talon, poursuit la visite de terrain des chantiers. Il a effectué une descente qu'il a conduite ce matin sur les chantiers de construction de la digue immergée de Avlékété. C'est dans la commune de Ouida. Une descente pour constater l'avancement des travaux. Ceci fait suite à la dernière descente, cette fois-ci effectuée à Cotonou, ici à Akpakpa. Le compte-rendu de cette descente dans nos prochaines éditions. On poursuit ce journal. Le ministre des Sports a tenu ce lundi une conférence de presse pour faire le point des préparatifs du marathon de la Porte du Retour. Une initiative de la Fondation Djimon Roussou, appuyée par le gouvernement de Patrice Talon. Romaric Dossa et Prudence Koussouran pour le compte-rendu. Créer un symbole international du triomphe sur l'esclavage afin de retisser des liens culturels et touristiques entre l'Afrique et la diaspora, c'est le but visé par la Fondation Djimon Roussou autour du marathon de la Porte du Retour. Un événement soutenu et partagé par le gouvernement béninois à travers le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et celui des Sports. Je voudrais donner l'assurance que le gouvernement béninois, qui est d'accord, jouera sa partition. Que les deux ministères, celui en charge des sports, celui en charge du tourisme, de la culture et des arts, qui ont déjà fait des séances de travail sur ce projet avec l'équipe qui est ici, en tout cas sont engagés à aller au bout du projet et que notre souhait collectif est que ce projet puisse ramener au Bénin des milliers de personnes et que le Bénin soit cette destination unique, exceptionnelle, dont nous rêvons tous et que nous souhaitons partager avec toutes les communautés, tous les peuples du monde entier. En rassurant les participants de la qualité technique et organisationnelle des activités, le ministre des Sports, Oswald Omeki, au nom des deux ministères impliqués, s'engage à travailler d'arrache-pied pour parfaire l'événement. L'équipe qui est mise en place, c'est d'abord une équipe de la Fondation Djimon Roussou qui va travailler ensemble avec les équipes du ministère des Sports et celle du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Ensuite, il y a une agence événementielle qui va se mettre en place et cette équipe qui est béninoise mais aussi sous-régionale va en collaboration avec la partie américaine travailler à ce que cet événement puisse vraiment être à la hauteur de nos attentes et bien évidemment à la hauteur des exigences du Bénin révélé qui est très cher au chef de l'État. Le marathon de la Porte du Retour est un événement de grande portée qui va permettre à l'Afrique de réfléchir sur l'esclavage. Toutefois, la date de cette rencontre planétaire sera ultérieurement communiquée, a confié le ministre des Sports. Ce n'est donc pas une boutade, c'est un projet qui tient à cœur des Béninois. Voir le Bénin se greffer au Nigeria, un projet qui a été dévoilé à l'issue d'une rencontre samedi dernier avec l'organisation de défense des acquis de la conférence nationale. Un projet absurde. Latifou Boni. Bénin-Nigeria sans frontières, c'est ce qu'imagine Boni Yayi, l'ancien chef d'État béninois. Son intention a été rendue publique samedi après la publication du communiqué qui a sanctionné la rencontre entre lui-même et l'organisation de défense des acquis de la conférence nationale. Le communiqué souligne qu'il est projeté la mise en place d'un lobby bénino-nigérien qui inclut, en plus de lui-même Boni Yayi, l'ancien président et très influent Olusegun Obasanjo. Objectif du lobby aboutit à la mise en place d'une confédération Bénin-Nigeria. Ceci devrait permettre une vie commune avec une prospérité partagée
partagée entre les deux peuples et surtout la fin des fermetures intempestives des frontières entre les deux nations. Le communiqué en son point concernant ce volet du compte-rendu de la rencontre est pris en raillerie dans les réseaux sociaux. Un élément qui en rajoute aux suspicions qui déjà voyaient dans la fermeture de la frontière bénino-nigériane la main de Boni Yayi, vu sa proximité avec le Nigeria et que c'est même dans ce pays qu'il a séjourné après son départ du pays pour raison de santé. Le projet, pour beaucoup, est une boutade, mais pour qui connaît Boni Yayi et les membres de l'Organisation de défense des acquis de la Conférence nationale, c'est loin d'être une blague. Dans sa stratégie de mobilisation de la grande masse, la section littorale du bloc républicain étend ses tentacules dans le rang des vendeurs d'essence. Réunis en association, ses commerçants et enseignants, pour la plupart dans l'informel, ont rejoint ce week-end la grande famille politique de leur choix. La cérémonie d'adhésion a eu lieu au Palais d'Espoir à Cotonou. Le point, c'est avec Isaac Adjé et Semiati Soufou. Presque tous les secteurs d'activité et regroupements humains sont inventoriés et courtisés par le bloc républicain. Une opération de charme qui ne cesse de porter de fruits. À l'image de l'apôtre Pierre, fait pêcheur d'hommes par le Christ, les leaders du parti dans le littoral pêchent un gros poisson. Il s'agit de l'association des vendeurs d'essence du dit département. Soutien aux actions du gouvernement avec une entrée de plein pied dans le bloc républicain. Depuis le renouveau démocratique jusqu'à ce jour, aucun président n'a souffert si tant. Ne le trahissez pas. Car c'est le seul président qui, à la fin de son mandat, peut totalement changer le visage de notre cher beau pays, le Bénin. Pour nous vendeurs d'essence, nous avons connu un apaisement total sous votre mandat. Et donc, tant que je serai vivant, les vendeurs d'essence de tout le Bénin seront derrière vous durant tout votre mandat. Cette adhésion fait la joie des leaders du parti qui annoncent à l'occasion quelques réformes du gouvernement dans le secteur de la vente de l'essence de contrebande. C'est pour nous un réel plaisir de vous accueillir, vous, vendeurs d'essence, au sein de notre parti Bloc Républicain, ce samedi 11 janvier 2020. Votre secteur d'activité emploie un nombre important de Béninois et ne saurait demeurer éternellement dans l'informel. Le gouvernement du président Patrice Talon a entrepris d'organiser votre secteur d'activité pour une véritable amélioration de vos conditions de travail. Et ceci passera par le recensement des acteurs et l'utilisation des équipements modernes adaptés de distribution de produits pétroliers à l'instar des mini-stations mobiles. Le but de ratisser large pour les prochaines élections se confirme de plus en plus au sein du bloc républicain. Nicolas Yonoussi, directeur général des impôts, a passé au peigne fin les mesures fiscales prévues par la loi des finances 2020. C'était hier sur la télévision nationale. Pendant une heure environ, l'autorité a répondu à plusieurs questions liées à la fiscalité, notamment les sujets relatifs aux allègements fiscaux, l'amélioration du climat des affaires et bien d'autres. Mathieu Bocor, pour plus de précisions. La loi des finances 2020 contient des mesures fiscales importantes. Selon le directeur général des impôts, elle touche les particuliers et les entreprises avec plusieurs innovations. Aujourd'hui, les indicateurs d'une business qui sont utilisés pour mesurer les paiements des impôts tiennent compte du temps que l'entrepreneur utilise pour déclarer, le temps qu'il utilise pour payer ses impôts. Et il y a quelques années, on a évalué et on a trouvé qu'au moins l'entrepreneur béninois utilise plus de 500 heures à déclarer, à payer ses impôts. Donc si on réduit le nombre d'échéances, si on harmonise les délais de paiement, on utilise, on rationalise les formulaires de paiement, à partir du moment où l'assiette de la cotisation sociale et des impôts, c'est le salaire, c'est plus simple d'avoir un imprimé unique sur lequel on met le montant du salaire,
On indique le montant des impôts sur les salaires et en même temps le montant de la cotisation de sécurité sociale et on paie une seule fois. Au titre des réformes avantageuses pour les entreprises et les ménages, il faut aussi noter la réduction du nombre d'impôts contenus dans le système fiscal. Il s'agit de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Aussi a-t-il insisté sur la simplification du mode de calcul de certains impôts et l'élargissement de l'assiette fiscale, s'appuyant sur des exemples. Nicolas Yemsi, le directeur général des impôts, n'a pas manqué de rappeler les efforts consentis par le gouvernement de Patrice Talon pour les résultats consentis par la structure dont il a la charge. Les recettes de fiscalité intérieure devaient prendre le dessus sur les recettes de fiscalité de porte. Donc l'indicateur recommande que les recettes de fiscalité intérieure soient égales au moins à 55% des recettes globales. Donc lorsqu'on prend les recettes globales, la fiscalité intérieure doit faire au moins 55%. Et c'est à partir de 2017 que nous avons atteint ce critère. Et désormais, ça continue. Et 2016, nous étions autour de 381 milliards et à fin 2019, nous sommes autour de 540 milliards de nos fonds. Ça signifie effectivement que nous avons fait beaucoup d'efforts pour accroître les recettes. En un peu plus de 3 ans, nous avons mobilisé plus de 150 milliards de recettes supplémentaires lorsqu'on fait la comparaison depuis 2016. Et tout ceci a été possible grâce à globalement à 2 facteurs. Il y a d'une part l'impulsion qui a été donnée au plus haut niveau de l'État et le management au niveau du ministère de l'économie et des finances à travers le ministre de l'économie et des finances. La loi des finances 2020 prévoit un allègement de la fiscalité. Le nombre d'impôts passe de 48 en 2019 à 35 en 2020. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Fini les longues files d'attente à la Direction générale des impôts. Les citoyens béninois peuvent désormais payer les taxes sur les véhicules à moteur via leur téléphone. Les réseaux mobiles du Bénin pourront ainsi servir de canaux pour le paiement des abonnés. Le compte-rendu de la cérémonie de lancement de la plateforme tenue à Cotonou, c'est avec Mathilde Sabi et Aliou Antoni. Le gouvernement du président Talon met l'accent sur la modernisation de l'administration publique, gage de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. À cet effet, la Direction générale des impôts dématérialise la collecte des taxes sur véhicules à moteur TVM. Les citoyens peuvent désormais effectuer ce paiement via leur téléphone mobile. Une nouvelle avancée qui témoigne de l'engagement de la structure à faciliter la tâche aux abonnés et de lutter contre la corruption. La Direction générale des impôts, ne pouvant passer outre les progrès de l'humanité en général et ceux réalisés dans le domaine des technologies de l'information et de la communication en particulier, a fait sienne cette dynamique de modernisation en la définissant comme premier objectif du plan d'orientation stratégique de l'administration fiscale POSAF. L'un des axes retenus pour l'atteinte de cet objectif est la simplification et l'automatisation des procédures. La TVM a été instituée pour les véhicules à moteur d'au moins 3 roues immatriculés en République du Bénin et utilisés pour le transport public ou privé des personnes ou des marchandises. La Direction générale des impôts ainsi que les réseaux concernés s'évertuent à rendre la tâche plus facile aux abonnés. Les avantages issus du paiement de la TVM à partir du téléphone mobile sont énormes. Cette plateforme vous offre 2 modes de paiement. Le paiement USSD compatible avec tout type de téléphone portable. Le mode de paiement via une application mobile téléchargeable dans le store destiné uniquement aux utilisateurs de smartphones. Il est clair qu'avec cette nouvelle plateforme, les pertes de temps jadis enregistrées lors du paiement de cette taxe
sont révolus et vous disposez désormais d'un accès facile et équitable à ce service numérique. Outre ce procédé, les usagers qui le souhaitent ont toujours la possibilité de s'acquitter de cette taxe dans les guichets informatisés de la DGI installés sur toute l'étendue du territoire national. C'est sur cet élément que nous refermons ce journal, un journal réalisé par l'ensemble de notre rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. Bonne suite des programmes sur ETV, la chaîne de l'excellence. À bientôt.